Bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes tous très bien. Ça, on se voit. Et pour cette nouvelle vidéo, on va se faire un skin editor. Donc, je vais vous présenter une application pour créer vos propres skins. Je ne sais plus parler, je ne sais pas ce que je dis. Du coup, si vous avez été très nombreux à répondre dans les commentaires, malheureusement, déjà plus. Voilà, vous êtes très nombreux à répondre dans les commentaires. Donc super vidéo que j'ai fini, nous vous remercie tous. Donc là nous sommes actuellement 6 et vous êtes 6 abonnés, donc ça me fait vraiment plaisir. Donc vous vous reconnaîtrez bien sûr et ça me fait vraiment super plaisir et merci à tous. Voilà, prochainement vidéo 10 abonnés pour ceux qui lisent la description, hein, donc je ferai une petite vidéo de remerciement spéciale 10 abonnés. Alors aujourd'hui on va faire un skin editor, donc je vais vous présenter l'appli. Donc là aussi. Donc voilà, vous avez le nom en haut déjà. Donc vous êtes sur Play Store et vous mettez skin editor, c'est gratuit. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas envie de. Enfin vous avez la flemme de faire votre propre skin, vous faites ça, random online. Donc ça vous mettra d'autres skins que d'autres joueurs ont publié. Que voilà, vous avez ainsi par contre ça peut vous afficher machin letter là, il faut attendre, ça peut arriver, mais j'ai pas compris la source du problème. Donc voilà, vous avez de diverses skins. Alors ensuite là je vous laisserai regarder, hein. Donc là vous avez la color plate si vous voulez faire des petites modifications, voilà, je fais n'importe quoi. Donc, voilà sur votre skin, c'est plutôt sympa. Donc ensuite vous avez ça, voilà, c'est n'importe quoi ça. Ça je sais pas ce que ça fait, pas grave. Donc là ouais ça vous remet un peu, si vous voulez revenir comme avant. Voilà, ensuite vous avez du crayon. Tac. Après vous faites ça, hein, tout simplement. Voilà, pour voir. Donc voilà, c'est vraiment une petite application sympathique. Donc voilà, non, ça c'est pas. Voilà, vous avez des petites têtes, votre personnage. Ensuite, vous avez la vue, à peu près ou moins près. Ici, c'est pour le sens où vous voulez mettre votre personnage. Donc voilà, un truc qui est vraiment bien, c'est pour dans les SG, les bottes SG que je vous montrais. Vous faites ça, vous enlevez tout, ok. Ensuite vous enregistrez votre skin, galerie, moi j'ai enregistré ma galerie. Et là après vous mettez un espace à votre pseudo et là vous serez totalement invisible si vous n'avez pas d'épée ni rien. Comme si vous avez une potion invisibilité. Donc voilà. Donc là il y a le personnage qui est là, mais je le vois pas. Hein. Donc là j'active un truc. Head. Ah on le voit pas. Je sais pas pourquoi. Là, il est disparu. Bon tant pis. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, lâcher un commentaire, aimez-la, abonnez-vous. Et salut.